Wondelo TV, abonnez sur la chaîne Wondelo TV. Wondelo TV, di Wondelo ci ay xibaar yu leer te woor. Taskato xibaar yi, ma ngi leen di nuyu bu baaxa baaxa baax. Di leen remercier si seen présence massive fii si SNHLM, di leen souhaiter la bienvenue. Man la Bassirou Kébé, directeur général SNHLM. Tay pour conférence de presse. Pour conférence de presse bi, ma ngi ci ànd ak monsieur Oumar Keïta, muy secrétaire général SNHLM, toog nii sama ndeyjoor. Ànd seeg monsieur Joseph Takem, le directeur commercial et relation client. Monsieur Cheikh Ahmadou Bamba Bakke Silla, directeur financier comptable. Ak madame Diop Ndeye Fatou Sarr, qui est coordonnateur de la cellule de passation des marchés. Waouh, lui. Je suis très heureux de vous parler, je suis très heureux de vous parler, je suis très heureux de vous parler. Je suis très heureux de vous parler. Ce qui est la conférence de presse, c'est que nous sommes avec le régime qui est en rupture. La rupture est en train de la transparence, de communiquer avec les Sénégalais. Aujourd'hui, la société nationale, comme le SNHLM, doit communiquer dans la transparence. Nous avons fait ce qui est le plus important. Amna luñ ci fekk, amna luñ ci def, amna tamit fu ñu jëm. Donc dafa am solo ci rupture bobu ñuy woté ñu ñëw wax ak sénégalais yi, le grand public en général, client SNHLM yi, ñi nga xamné ñi ngi jëflanté ak ñun ak suñu ay partenaires. Conférence de presse bi nak ci ñetti poñ la kay teunk. Bi ci ñëk damay wax ci situation bi ma fekk fi, notamment situation financière. Je me fais que la Société nationale des habitations à loyer modéré. Le problème, je me fais que. Je suis top, je vais voir ces problèmes externes. Je suis un problème SNHLM. Que ce soit avec nos partenaires, avec l'État, avec les clients ou SNHLM. C'est très important. Je vais voir ces perspectives. Je vais voir ces perspectives. Je vais voir ces SNHLM pour les Sénégalais. Si je vais détailler, je vais voir ces Wolof parce que les Sénégalais sont là. Je vais voir ces perspectives. Kalama wo lañu wax waye après suma paré en peut-être 5 à 10 minutes dina ko teunk ci nasaraat pour ñepp mëne ci jot tamit ci ñi tambalé moy déjà comme ni ngeen ko xamé le 16 mai 2024 bi passé lañu am honneur def suñu passation de service après que président de la république ak premier ministre signé décret biñu fi tek biñu ñëwé nak la société nationale, vous menez HLM, nous avons un objectif de l'air. Nous savons que HLM, nous avons créé ancêtre HLM en 1959. Nous avons créé un donc HLM, c'est le mot du Sénégal, c'est Walloum indépendance, parce que 1959, nous avons créé un HLM. L'objectif du monde, Sénégalais, surtout cadre moyen, et Sénégalais, nous avons créé un Bérissène Loho, nous avons créé un HLM. Nous avons tout, nous avons c'est ay logement ci ñeut bu mu gëna yombé lolou dafa am solo au HLM di dem non dans les années 80 fin des années 80 ñu def ko société nationale des HLM HLM nak def liguey bu am solo ci Sénégal bo xamné kenn mënu ko wéj tay ji Dakar Sénégal fo dem di nga gis ay quartier ay cité yo xamné HLM moko def xeyna ñu bari ci yeen sax xamuñu ko yaakaar na HLM 1 ba 6 xam ngeen ko Gilles Barta xam ngeen ko parcelle Asseni HLM la Keur Massar Cambérène, soit des régions, parcelles à Sénibou Kaolak, Gadem HLM Ziguinchor, Gadem Fepti Sénégal, Saint-Louis, partout. HLM a cité le défaut, a tabac, a am solo pour Sénégalais, Mounsidio. Nous sommes le premier bailleur social du Sénégal. Maintenant, nous sommes le premier pour Sénégalais, nous sommes le premier pour Sénégalais, nous sommes la seule société immobilière, publique ou privée, qui a une présence au Sénégal. Nous sommes la mission qui a été. Il faut am solo. Et HLM rempliront nous dans les années 70, dans les années 80. Ouais, les Sénégalais, ils sont interpellés, que ce soit sur les réseaux sociaux. Ils nous disent, mais HLM, est-ce que nous avons fait le travail HLM, nous avons fait des projets de standing. HLM,
topatotul lutax sénégalais su amé astute bu mu épargner ñeu indi ko HLM du gis pro du gis produit du jot ci limu bëgg lutax affaire yi yéx etc tay nak dama bëgg suñu paré conférence de presse bi sénégalais yi comprendre lolu lan moko waral fimé ñëké donc moy situation financière bi bima ñëwé def passation ci kanamu caméra yépp dañ ma né situation bi baxna bima fi fekk lepp manam amul ben problème lolou lañ ma wax won bima ñëwé lima ñëk def moy dama lancer ben audit interne bo xamné dama bëggone auditer gestion bi procédure def audit suñu état financier yi def audit ni HLM di doxé au cours des 5 dernières années dama fatiné HLM état bi gitt nako auditer au moins ça fait au moins 10 ans et lolou c'est pas normal dina ci ñëwaat biñu défé audit bobu ak suñu enquête bop si SNHLM liñu découvrir manam liñu fégnal ak liñu waxon bokul liñu trouver ben société bo xamné dafa endetté endettement sax mën nañ wax né que du problème parce que société dafa wara ñu endetté mais endettement bi day fekk li ngay réaliser ak produit yi ngay utiliser pour sénégalais mu mën justifier endettement bobu mais si ñun suñu analyse ñu def endettement bobu ce n'est pas un endettement du tout qui est justifié tay suñu dette toluna si liñu calculer gum si liñu gissugum toluna si tolu 12 milliards mën nañ ne du dara par rapport ak yenn société yu melne ay Sénélec wala ay Dakar dem dik mais ci SNHLM ak ci liñu produit liñuy produire lu bari la c'est énorme donc 12 milliards yoyu ñu fekk ko fi ñu essayer xol endettement bi est-ce que c'est justifié ou pas yenn projet le permettre ñu def ko fan lañ duggal xaaliss bi etc ci endettement bo par exemple amna li SNHLM amel ay clients yo xam dañ duggalon sen apport mu tollu ci 2 milliards 5 ay clients yo xam dañ duggal SNHLM dafa lancer projet jël sen xaaliss duggal tok di xaar amna ñu xam ni ça fait 10 ans 15 ans ba légui ken rembourser wu len lool moy deug apport yoy fan la dugg lutax SNHLM deful produit yoy pour mu len rembourser lolou c'est un problème luñu fekk fi la ñu gis na que plainte yi bari na man damay bima ñëwé ba légui je reçois les clients sama bureau ku nekk ñu dama am ño xamné ay 1 million lañ leen amel ñi ay 5 millions ñi ay 10 millions am ño xamné dañu jël seen xaaliss bi ñu épargner seen vie yëpp ñëw tek ko HLM en attendant ñu dem jël seen njabot di louer ba ñu sax am ño dañ leen dakk sax fiñu dëkkon nak amuñu amatuñu luñu fay di xaar ba légui projet HLM paré projet yoyu yëpp paré gul li ñu gis aussi moy projet yima fi fek bima ñëwé yépp pour ne pas dire tout c'était à l'arrêt wala mu nekk au ralenti ay projet ñu ficelé né dañuy défar ay projet pour suñu client yi ñoon duggal sen apport projet yi nekk à l'arrêt lool la fi fek té suma lijeenti wul xaaliss bu duggal ko ba ñu terminer projet yi du ag lool dina ci ñëwaat après ci perspective donc lool dafa am solo ñu xam ko situation bobu la fek fi endettement ak ay projet yo xamné dafa taxaw joxuñu ba légui nit ñi sen tiabi appartement wala sen tiabi logement wala sen ay parcelle lolou mu nek lo xamné dafa doy wa té ça révèle des fautes de gestion qui sont très graves ci walum fiscalité li yalla ni def tay rek tay ci suba dañu recevoir ben notification de redressement bu tollu ci ay milliards notification la nak dinañ dem après xol nak ça va être confirmé mais ci walum impôt redresser nañu bima ñëwé 2 mois la def ñu ATD ñu suñu compte yi tecc suñu compte yëpp SNHLM qui est une société parapublique yu ñu fayul 2020 2021 2022 ba 2023 une gestion fiscale catastrophique ñu am ay problème de trésorerie situation trésorerie aussi bo xamné dafa catastrophique la fi fekk té limay wax ni yëpp je peux le prouver j'ai les documents bima défé audit bi envoyé nako sama autorité yëpp jot nañ ci donc tout ce qu'on dit ici lo xamné dañ ko mëna justifier la donc situation financière ou entreprise bi ci walu yoy ci walum projet yi taxawna ci walum endettement bi djegina dayo endettement par rapport aux institutions financières par rapport ak sénégalais yi ñew am confiance ci SNHLM parce que xalaat nañ nek état bi mo nek ci ginnaw ko soofu dugalé sax xaaliss lu woor la lol tam am nañ ci problème bari ci walum gestion ni ñi gérer fiscal yi wara fay ay
impôt à temps lo xamné dañ ko amel duñ ko fay lol tam dafa am solo ni ci xam ko ci walum SNHLM nu muy doxé en tant que entreprise entreprise bo xamné biñ ñëwé li ñu gis moy que ça fonctionne de manière archaïque transparence manqué na fi lolou parce que mëno comprendre société bu tolné HLM ay milliers de sénégalais fi lañ amé seen cœur ay milliers de sénégalais continuer di ñu def confiance ngay ñëw patrimoine SNHLM sax man mi nek directeur général ba légui mënuma la wax patrimoine bi ni la li moy patrimoine SNHLM en nanti chaque jour da ngay ñëw nit nan la yéna mom fi wala découvrir nañ fi lalé etc tout est géré de manière archaïque ay papier la ay archives etc aucune digitalisation zéro amu ci amna ay patrimoine SNHLM mom bir Dakar fi amnañ ay poche yo xamné mën nañ ci def ay projet dañ ko perte parce que y a aucun suivi y a aucun plan de digitalisation melni ñun voilà on respecte même pas les choses basiques bo xamné ben entreprise war nako am nga xam au moins ce patrimoine moy lan lolu amu fi tamit aucune digitalisation su ngeen nexé mën ngeen dem visiter site internet bi instant bi sax mi ngi en maintenance mais biñu ñëwé c'était un site internet bo xamné client mënu ci dugg ba am ci satisfaction wala ba am ñu bëgg y avait aucun niveau de sécurité alors que marché bi kiñ ko jox liñ ci fay c'est extraordinaire mu ñëwaat tamit ci li indi suñu projet yi taxaw moy projet yi ce sont des projets qui ont été mal ficelés étude yi ñu ci waroon def parce que soy def immobilier so né damay def projet dëkk sangam da ngay def ay étude xol dëkk bobu ñaata nit ñoo wara mëna jënd projet bi ngay def est ce que amna demande bi etc mais tay ji damay joxe exemple so ñëwé nga damay def projet Vilingara wa Vilingara deug la mérite nañ am ay keur mais est-ce que projet bi ngay def ak coût bi ngay guenné est-ce que wa Vilingara ñooñu mën nañ ko jënd genre étude yoy ce n'est pas fait ici motax on a des mévantes di def ay projet yo xamné da fay nek à perte ak leneen li justifier lool moy marché da ngay ñëw di jox marché ay société yo xamné parce que ñun on est régi comme vous le savez par le code des marchés publics da ngay ñëw di jox ay marché ay société yo xamné ils n'ont pas les capacités de faire ce marché là mais bizarrement ñu jox len ko ba jox len sa avance démarrage tu n'es pas satisfait soit li ngay defal dara baxu ci wala ils ne le font pas à temps wala baye ce projet non dem sen yoon yoy la fi fek ñaar ñetti société ñoy gagner marché yépp presque SNHLM les mêmes tout le temps on se demande pourquoi on fait des avenants da ngay defal nit marché deful lu mu wara def da ñew diko signaler ay avenants muy continuer ci même marché bi di def lu ko neex mom muy gagner xaliss mais yow li nga am doko bëgg wala j'ai vu un cas bo xamné dañuy lancer marché ben nit def le moins 10 ans wara gagner marché bi mais ñu jox ko kenen wala num tudati ñen ñi di déposer pour am agrément pour ben domaine spécifique suñu lancer marché bi ñoon do leen fa gis parce que dañ leen écarté wala genre lool mo fi am il faut dire la vérité aux sénégalais fi may ñëwé benen bi ci deuxième point bi après ce point yépp suma ñëwé ci perspective na wax lan lañ ci def pour le moment ak naka lañ koy résoudre benen point bi moy par rapport SNHLM ak état bi ci problème yu ñu am yu bari SNHLM comme ni ko xamé société parapublique société nationale bo xamné état bi moko détenir à 100% 100% jox ñu mission de service public comme ni ko waxe sank def leen tout ba sénégalais yi am ay logement am ay parcelles viabilisées etc ñu bari ñi ngi reprocher lutax SNHLM deful lu mu daan def avant lutax SNHLM deful ay projet yu bari etc mais c'est parce que suma ne SNHLM xam ngeen kañ la gëjë am affectation foncière bo xamné état bi daf ko jox ni de bonne volonté taw Abdou Diouf 1999 SNHLM day fonctionner comme une société privée day dem jënd lebi bank dem dindi ben souf def ci projet mais soy def nonou no len beugé SNHLM am ay coût yomb mais mënul nek on fonctionne on est une société publique mais on fonctionne comme une société privée lol moy deug amul ben subvention bu ñuy recevoir ci état amul c'est vrai sur les 20 dernières années amna ay situation yu metti won yo xamné état intervenir na pour dimbali SNHLM c'est vrai mais il y a presque aucune affectation foncière c'est pire affectation foncière bu ñu jotta am état bi day ñew nangu wat ko
au pari de nous rembourser à hauteur d'un investissement d'une défense. Sénégalais, nous devons comprendre l'outil que Dieu a fait sur nous. L'outil que nous mettons sur nous. L'outil que nous avons une minorité sénégalaise qui est en train de nous faire des choses, nous avons un terrain. Parce que l'État et l'administration ont joué un rôle, ont une complicité. Nous avons une société publique, nous avons une mission pour parler. Nous avons un souffle. Il faut déjà être privé. Société publique, il retourne au dîner si privé, il faut déjà être. Et au public, bon, vous y en connaissez. Des fois, tout pour Sénégalais, ils sont souvent. Mais là, le monde n'est que politique d'habitat social, politique de logement social, à mon Sénégal. Vous l'avez encore dans les nénards. Ça n'existe pas. Donc, je vais vous donner un exemple. Djahaï, lui, Ablaye Ouad, n'est de fait loger sinistré. Il faut acheter les logements. On devait faire 3 000 logements là-bas. Mais d'une nuit, il faut. Il faut que nous sommes. Il y a un journaliste, vous devez faire des investigations. Il y a un à part quelques sinistres, il y a un ministre, DG, autorité administrative. Il y a un ministre, il y a un société publique, il y a un Sénégalais, il y a un homme qui a fait un homme. Il y a un homme qui a fait un homme. Il y a un investissement, un aménagement, un homme courant, un homme qui a fait un port minéralier. Les frais que tu as fait, rembourser. Et tu as fait un projet pour prendre le temps de client. Et les clients sont top. C'est mon projet. L'État a fait ça. C'est-à-dire que nous sommes l'État. Il a posé un obstacle à la société nationale de privilégier les privés. Et nous savons qu'ils souffrent. Ça ne leur revient absolument rien. Les sociétés qui ont fait pour nous démolir les Sénégalais, ils mettent un obstacle. Ça, c'est extraordinaire. Le Sénégal est réglable. Dem len France ngeen xol HLM fofu numuy doxé Sénégal rek ngay ñew di gis état di def lool benen mi stop. On a beaucoup de problèmes ci occupation irrégulière. État su défé décret d'utilité publique wala ben jox ñu ben souf souf bo même suñ ci jëlé possession acquérir ko ay problème rek lañ ci am té loolu il faut j'attire l'attention du nouveau gouvernement su dé rupture lañ bëgg su dé jup jubal jubanti bi ñi wax dëgg la ci ñu amna yo xamné. Ce sont des injustices. Injustices, Sénégal, qui foncier leur pays. Il faut que les gens qui foncier leur pays. Je vais vous donner des exemples. Il y a un petit foncier, 1107R, Yahira. C'est une superficie d'à peu près 75 hectares. Réserve foncière, on peut acquérir pour un montant de 3,555 milliards. Il y a un autre, je ne sais pas si bien sûr, nous avons acquérir pour faire des parcelles. Pour Djaï et Sénégalais. Sénégalais disent que SNHM a une fille. SNHM a une petite foncière avec les liens. Donc, qui est beau, là, nous sommes dans une ville. Nous sommes dans une ville avec un groupe qui est Djaï pour connaître. Parce que, amna dole, parce que amna ay xarit ci ñi fi nekkon. Il est aidé par des autorités administratives. Vous le savez, nous avons hors la loi. Def lu len neex. Suñu client suñu démé di casse, ñu ne len SNHM amu fi dara. 1107R, vous pouvez aller vérifier à Ndiakhira. Je vous le donnerai. Soyez que vous toute la documentation qui est nécessaire. J'ai fait un communiqué il y a 3 semaines dans les journaux pour informer le public que l'occupation irrégulière, yep, vient de faire expulsion, démolition, construction, il y a quand même encore concerné. C'est Manti Dialoudi, remercier le nouveau DG de Tescos, le colonel Ba, qui nous accompagne beaucoup dans ça. Mais ce qui est indi, c'est de la corruption avec Matai. Il y a une HLM, il y a un petit foncier, il y a un client, il y a une économie à dîner. Joko HLM wolunu ñu jaay leen titre foncier bu légal ben nit jugé feulé ak ay bandi wop di def ben lobby di def lu ko neex suñ ko condamné 6 mois lay def kasso génna continuer tabaxam suñu justice né HLM arrêté leen koku arrêté goudi mu ñew di tabaxat suñ jëwé da ngay gis tabax ñu ci bind arrêt d'escos mais yonam neeku ci di def lu ko neex aidé par des autorités policières notamment client di dem fofu ay commissaire de police taxaw nan leen fi HLM mom fi dara. Parce que les gens qui ont des distribués, ça c'est de la corruption. Si le gouvernement veut changer, c'est ce qu'on doit faire. Parce que ce sont des Sénégalais qui ont cotisé leur adn. Ils sont des milliardaires, des millionnaires. Ils ont cotisé leur adn pour avoir une maison. C'est un rêve. Ils ont une retraite. Donc, 20 ans, ils ont une maison. Mais l'injustice, si vous voulez réparer, il faut que nous recommencions. Il y a un petit foncier. Titre foncier 60-28TH, parcelle assainie de Thiès Extension, moi unité 4 et unité 5. Faut que l'État du Sénégal, moi, je fais un décret,
numéro 88-789 du 2 juin 1988. Cession gratuite au profit de la SNHLM. Voilà, superficie de 59 hectares. Voilà. Ce objectif, fofu, m'a réalisé un programme où une parcelle assainie de Thiès, unité de voisinage 4 et 5. Donc, il y avait un programme de 1813 parcelles avec des équipements scolaires, sportifs, socioculturels, etc. Mais il faut la même chose, occupation irrégulière. Déjà, nous, HLM, nous avons dit que nous avons tabax ben immeuble fi wala ben keur fi ñun ay cité lañu tabax pour sénégalais yi dëkk. So ñu joxé parcelle assainie de Thiès. Wondelo TV. Abonné sur la chaîne Wondelo TV. Wondelo TV di wondelu ci ay xibaar yu leer te woor.